Ok, c'est bon, j'ai retrouvé mon ma scène, mais il faut que je change un peu la taille de la caméra parce que c'est n'importe quoi. Alors, la dernière fois, on avait passé l'arène électrique qui était particulièrement difficile pour moi. Et là, je crois qu'on est dans entre deux villes, non? Bah, moi, je suis dans la grotte du début, frère. Dans la grotte du début? T'es en train de chasser un certain Pokémon? Ah, je dois XP Nosferapti, sûrement. Peut-être bien, ouais. Je dois être en train d'XP Nosferapti, ça doit être ça. Je suis où là? Carmin-sur-Mer, c'est où Carmin-sur-Mer? Ah, c'est la ville électrique, enfin, c'est l'arène électrique. Ok, ok. Moi je suis perdu, je sais plus ce que je dois faire. Ouais, ça fait grave longtemps qu'on n'a pas joué. Beaucoup de comptes en 26, 29, 29. Les zombies jusqu'à quel niveau, je sais même plus. Pourquoi j'ai un Nidoran sur moi? Il doit avoir coupe, je crois. Ça doit être ton esclave. C'est mon clave. Oh non, son rat il m'attaque. C'est parce que c'est un rat d'attaque. J'ai lancé une attaque sans même regarder ce que c'était. J'ai oublié de lancer le record, fais chier, je vais bon, tant plus je téléchargerai le replay. Lame des. Tout ce qu'il faut faire après du coup. Pique-nique Isabelle. Salut pique-nique Isabelle. Isabelle a les yeux bleus. Roku est envoyé par Vincinus. C'est parti pour une tornade. Je sens que je vais péter mon crâne. Pourquoi? Parce que me faire aggro tous les trois pas dans la grotte, sachant que je suis de l'autre côté de la grotte et que je dois la retraverser en entier, ça va me vénère. Ah ça va, j'ai été prévoyant, j'avais acheté des repousses. Ouf, je suis pas cringe. Tornade. Bon bah écoute, si j'étais en train d'XP Nosferapti, on va XP Nosferapti. Par contre c'est chiant parce qu'avec 10 niveaux d'avance, je peux pas one tap genre. Un peu dégoûté. Ouais, c'est pas une attaque super efficace que je lance. Bon. Peu efficace, inefficace, on va pas aller loin avec ça. On voit ça au combat. Pour l'instant, t'as combien de Pokémon de ton équipe? 4 ou 5? 4. Ok. 4. Moi j'en ai 5, mais ils sont chiants XP certains. Parce que je dois aussi XP un Nosferapti et je dois aussi XP un putain de Magikarp. Ça c'est le Magikarp que je t'avais envoyé. Ouais. C'est vrai qu'il y avait plein de dresseurs dans cette zone. C'est quoi la grotte qu'il y a là? Je vais full XP et j'avancerai après. Il y a quoi dans cette grotte? C'est la suite? Je sais pas, t'as un giga délai sur ton stream donc. Pas normal qu'il y ait du délai hein. Ah, il y a un délai de bâtard hein. Tu parlais de la grotte, je te voyais te balader encore sur la zone d'avant pendant moins de 15 secondes. Genre là, vas-y, lève les bras en l'air maintenant sur ton stream. Ouais, y a au moins 8 secondes de délai, frère. Peut-être actualiser la page. J'imagine que c'est par la suite. Mais bon, je vais XP aussi. Il me faudrait au moins Léviator. Il est niveau combien ton Magikarp? 16. Ah ça va encore. Ah il a charge, il peut se défendre. Putain et c'est stylé, ils ont changé la saison non? Peut-être bien ouais. Même si là pour le coup on a plus l'impression d'être en automne qu'au printemps. Oui, c'est pas grave, ça a du flow quand même. Après peut-être que les devs sont dans l'hémisphère sud, hein, va savoir. Non.
Allez, charge Magikarp. Ah, ça fait 0 damage. Bah, il a pas de stats, hein, Magikarp. Ouais. Magikarp, c'est vraiment un des pires Pokémon de l'univers. De l'univers visible ou pas? Quand est-ce qu'on a le multi-exp? Je t'ai dit, il fallait attraper je sais pas combien de Pokémon pour avoir le multi-exp. Ah oui. Donc c'est de la merde. Moi je veux pas me faire chier. Je veux pas, pas me faire chier à capturer 30 Pokémon alors que c'est pas le but de notre défi. Effectivement. Là, comment tu joues trop bien Teamfight Tactics n'empêche. Putain, j'ai oublié de changer de jeu. Toi qui arrête pas de nous espionner, bah non, je t'espionne pas, c'est juste toi qui es parano. Avec ta carapute là, genre, qu'est-ce. Hein? Quoi? J'ai appuyé sur. J'ai juste cliqué sur changer, ça m'a envoyé direct Papillusion. J'ai pas compris là. Baisse ta mère, Papillusion. Papy, oh, arrête de te faire des illusions, s'il te plaît. J'adore quand tu commences à te vénérer pour rire. Ah bon, genre les combats qui durent 3 plombes, c'est vraiment trop relou là. Putain, j'ai battu Rachid. Heureusement, parce qu'il aurait pu m'envoyer à l'hôpital parce que je suis allergique à Rachid. Moi, je suis allergique à Rachid tout court. Croc de mort. Parce qu'on est vol de mort, mais pas croc de mort. Niveau 17, Magikarp, oui! Oh, Pikachu! Ça va t'amuser contre un Pikachu. Alors, dans... Allez, vas-y, je tente. Il met pas 26 dégâts là, avec 10 niveaux de moins. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. On a mis que 15. Avec éclair, oui. S'il avait une meilleure attaque... qu'éclair, non. Niveau 27, danse plume, c'est quoi ça? Une danse avec des plumes. Montagne de plumes ensevelit l'ennemi et réduit considérablement son attaque. Pas terrible. Est-ce que je vais me régène? Ouais, non, vas-y, je vais non, il a tué nos thérapies. Scoot Elijah. Il m'envoie un papy qui se fait des illusions. Haha, moi aussi j'envoie Papillusion. Moi ce que je veux voir c'est. Oh, il a un thérapie évolue. Ce que je veux voir c'est. Un duel de Magikarp cringe. Ça permet de faire gagner énormément d'XP, ça non? Là, si tu fais le combat tout seul, l'XP sera pas speed quoi. Mais genre, est-ce que plus le combat est long, plus tu gagnes d'XP ou pas? Non.
Ah, dégage. Faut vraiment que je suis pas loin de Carmen sur mer, sinon ça va me péter le Robinho. Le Robinho. Ça va te péter le Robinho. Ah putain, je suis que Azuria. Putain, il m'envoie un abo, il est tout petit. Ah ah, c'est un petit nabo. Ah ah, je suis mort de rire. Oh non, l'attaque de Magikarp un peu baisse. C'est vraiment pas de chance. Ah, tu vas le heal ton adversaire en tapant du coup. Je vais le rouer de coups avec Roku. J'ai un truc à la pension. Oh, il m'intimide. Oh non, je suis pas rat. Mais d'où je suis paralysé? Oh non, au vu de ta gueule, t'es paraplégique. Oh my god. J'ai pas pu attaquer. Je sais même plus c'est quoi les deux derniers Pokémon que je sens là-bas. Enfin, y'en a un je sais, mais l'autre je sais plus. Même si je suis paralysé, rien ne me... Ouais, par contre je peux attaquer, au bout d'un moment ça fait 4 tours que j'attaque pas là. Mais... C'est quoi ça? Gros, je vais me faire un V1 par un Pokémon qui a 6 levels de moins. Ah, c'est Tentacruel qu'il me faut. Attends, quoi? J'ai fait si peu de dégâts. J'en peux. Mais frère, il est trop fort, son abo, putain. Oui, j'ai fini par l'emporter. Frère, il m'a mis tellement cher, cet enfoiré. Allez, c'est parti pour régène le Roku. Un peu mieux maintenant avec Nosferalto déjà. 1, 2, 3, Nosferalto. Ah, il y a tellement de joueurs que du coup, je sais pas ce qui est PNJ et ce qui est pas PNJ. C'est dans quel channel toi? Le 2. Je vais changer après. Soporifique. Soporifique. Je sais pas c'est quoi ça vaut, j'ai juste dit nouveau pif. Oh, il a là, il a deviné charge. Putain, c'est vraiment un crack lui, il fallait le trouver quand même. Alors. Oh non, il a voulu m'hypnotiser le bâtard. Et vraiment, ils ont trop la haine contre mon Roku, hein. C'est une dinguerie. Hein. Quoi? C'est quoi la tankiness du bordel? Je sais pas qui c'est Inès, mais je sais pas pourquoi elle tank. Pourquoi j'ai pas la blague? Il dit la tankiness du bordel, tu m'as sorti Inès. J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi elle tank Inès, j'ai dit. Waouh! Oh, un piaf avec un bec. Putain, il prouve qu'il existe un carapuce. Je l'ai. Ah bah, j'ai 5 fois, il m'a mis 9 de dégâts, c'est trop bien. J'ai one shot à la vive attaque. Te rends compte que là, t'es mon Roku, sa meilleure attaque, c'est vive attaque. Un hippotrempe. Crampe sa nouille. Oh non. Il a pris un dégât par l'éclair de Pikachu, mon air bizarre. Vraiment bizarre ça. Il est déjà au troisième stade d'évolution? Air bizarre, j'ai pas dit Florizarre. Ah, je sais jamais lequel dans le. Enfin, qui est premier par rapport à l'autre. Pas celui qui a gagné la course. Deux noms sont premiers entre eux. Si leur plus grand dénominateur commun est 1. Gueule.
T'as fait quoi là? T'as fait faire? Un petit tard. T'as traversé la Tegro ou pas? Bah non, je suis dans la zone à côté de l'arène. Alors la drogue, ça fait TP, ça crie ah. Oh, 2 HP le Roku. Ah c'est bien parce que tout le monde sera level 30 quand j'aurai Léviathan niveau 20, ça va être bien ça. Bah moi c'est un peu ça, j'en ai 3 niveau 29 et là j'ai Nosferatu que j'ai fait rattraper qui est niveau 23. Après bon, mon Nosferapti il est niveau 14, c'est assez mauvais. C'est il évolue niveau 22. Après on avait dit que quand on aurait 4 badges on pourrait l'acheter sur le marché, je crois le multi-ex. Je crois que le plus rentable c'est de l'acheter parce que c'est trop long de... Mais il faut juste 4 badges et je pense qu'il nous en manque un du coup. Ah c'est 40 000 le multi-ex, mais bon je pense que ça vaut le coup quand même. Moi perso je sais pas les 40 000 hein. Ah, moi non plus j'ai 30 000. J'ai 32 000. De toute façon, affronter des dresseurs comme ça, c'est jamais perdu. Oh, il m'envoie un Nosferapti. Là, je raffronte tous les dresseurs que je peux affronter sur ma route, hein, de toute façon. Sur ma route, oui, il y a plein de dresseurs. Les dresseurs, oui, ils vont prendre la bite, oui, par mon Roku. Ah bah non, j'en ai pas. Moi, j'en ai un. Et je parle pas de l'eau, non plus. Quoi? Peur. Ah, la Moroku. Tu connais pas l'eau, la Moroku? Attends, la Moroku quoi? La Moroku. J'ai pas. C'est une bouteille d'eau, enfin c'est une marque d'eau quoi, genre comme je te dirais cristalline. Je savais pas. Ah, c'est vraiment un mec. Moi je cristalline. Oui bah toi si t'es à la guerre froide tu fais ce que tu veux mais... Oh franchement sa belette elle casse les couilles hein. J'entends Roku le fenard et sa belette, j'entends Roku et... J'ai l'idée. J'ai pété. Comme le chat. Bon. Relancé par Mécano Maxence Magnéti. Oh, il y a un de ces mondes dans Carmin sur Mer. On va faire toute la zone à droite de Carmin sur Mer et après on traversera la loupe. La 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 la. Roma Grot Grot Grot. Un combat est lancé. Oh, et la fermeté! Ça peut dire moi qu'il brûle. Oh, il brûle pas. Oh non, un abo, il est tout petit. Haha, je suis mort, c'est la blague à ma chemise. Ce pute. Yes, I. Abo, jeu de merde. Cordialement, la direction. Je suis pris du jus à ne pas sortir de son contexte. Non, ça sort de ta bite, ça sort pas de ton contexte. Un croupier. Oh, un Goopix! Je vais envoyer. Ah, j'allais dire mon Papillusion, mais mauvaise idée. Vas-y, Goroku, même si il y a des chances qu'il se fasse tuer très vite. Ha! J'ai esquivé son feu d'enfer. Et maintenant, je fais une vive attaque. Sablette. Sablette. Ça voulait dire... Je suis rocheux. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Un, dos, tres, viva les caninos. Un, dos, tres, un papito, maria. Oh putain, il casse trop les couilles.
Et sans son intimidation, j'aurais tué via. Urata roulade, et ben non, bah je meurs. Parce que roulade, ça scale, plus tu l'envoies, plus tu prends. Dégâts. Allez, on va tenter une charge. Youpi! Merde! Non! Ah, tu l'as laissé à 1 HP. Ouais, c'est pas très. C'est pas très épique. Ah! Let's go! Tu veux que je te dise un truc, Lassinus? Ouais. Je sais que là, si t'étais pas sous la pluie, tu serais mort. Hein. Y'a des chances! T'as survécu juste parce que t'étais sous la pluie. Hein. Là, c'est fou le beau jeu ici. Gamin Chon. Un rat qui fait des attaques et est envoyé par le gamin Chon. Et sa copine c'est Capu. Capu c'est Funu. Ancienne. T'as de la chance qu'on est dans ton Discord. Effectivement, oui. Attaque, vent argenté. One shot. En vrai, si mon papillon peut passer niveau 30, comme ça j'ai le droit de faire passer mon reptincelle niveau 30. Comment ça, petit art utilise Blizzard là? C'est quoi, petit art? Ah oui, c'est un haut sol. Non, c'est un sol. Non, c'est un haut, pardon. Et c'est, il devient quoi après? C'est combat qui vient? Ouais, il peut avoir combat en dehors après. En vrai, je pense que je finis les dresseurs et je vais pisser. Il dit j'ai jamais perdu. Bah, tu te souviens pas la branlée que je t'ai mis l'autre fois? Réel. Aïe aïe aïe, le magnétique. Prends hydrocanon maintenant. Je viens d'aller me heal, mon Osferato, il est quasi dead. Allez, Nidoran, tu vas être sacrifié pour la patrie. Allez, Papillusion! Où es-tu, Papillusion? Ah! Ah! J'ai pas prévu ça. Je vais me faire one tap, c'est ça? J'ai pas fait one tap. Foutre sous la pluie, ça fait mal. Hein. Non, Nosferapti va mourir, c'est pas de chance. Ils sont chiants avec leur humanité de merde. À toi, reptile d'étincelle. Il m'a quasi one shot. Nidorino est mort, je l'ai tué. Et ils font de la merde. Allez, flash une tête connard. Voltorbe. Est-ce que tu trouves quelqu'un dans la team? Benjamin! Papa! Reptincelle. Non, mon Reptincelle va passer à niveau 30 bientôt! Ça doit pas être le plus haut level de mon équipe tant qu'il est pas vol. Un Reptincelle, ça peut pas devenir vol, je sais. Après. Tu le laisses traîner avec des arabes et tu verras. Quoi? Allo? C'est en plein live? Qu'il est. C'est glissé, chef. Ah, ça m'a. Il y a un truc qui m'a fait rire plusieurs fois. Enfin, j'ai vu la blague plusieurs fois. C'est une photo avec un panneau où c'était marqué bienvenue, enculé. Et le commentaire c'était merci pour l'accueil. Ces petits foires. Magie carpe. En vrai, c'est tellement con, bordel de merde. Mystère béboule de gomme. Poissy-reine. Poissy-reine.
Poissy, poissy, reine. Vinci, 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 cringe. Vinci, 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 cringe. Petit bâtard. C'est qui, fleur. Dans la zone. Allez, prochain combat, le papy passe niveau 30. Fais gaffe au câble. Aha, je vais te câbler. Ah, j'ai jamais perdu. Ah, t'affrontes aussi le Crimson qui n'a soi-disant jamais perdu. Ah oh ouais, mais putain, mais je vais devoir Lui, il est horrible. Hein. Lui, il est horrible. Je vais devoir faire des étincelles. Il a double magnéti plus magnéton. Celui que j'affronte là oh, ouais. Let's go. Bon. Ce n'est qu'un au revoir, Nosferatu. 1, 2, 3, Nosferatu. Yeah, c'est Nosferatu déjà. Ouais, mais c'est parce que j'ai repris ce que t'as dit. Non, mais moi, on est proche l'un de l'autre, j'ai le droit de l'appeler comme je veux, pas toi. Bon, bah, je crois que je vais devoir faire une entorse à la règle au temps d'un combat. Hein. Et encore, je suis même pas sûr de le passer, lui, hein. Nosferatu, il est vraiment dur à passer, honnêtement. Je m'en bats les couilles de Nosferatu, j'affronte Magneton. Je pensais Magneton, j'ai dit Nosferatu. Comme par hasard, avec les Cringos qui jouent des Pokémon électriques dans cette zone. Enfin, il y en a 2-3 quoi. Non, il est passé niveau 30, j'ai dérogé à la règle. Lance-flamme. Moi j'ai des Thérèse à la... Dracofeu, c'est spécial. Bah regarde ses stats, tu fais clic droit dessus. C'est spécial. Un peu spécial, elle est célibataire. A priori c'est plus spécial. Au trou de balle, je lui pénètre les derrière. C'est comme ça. Non mais je, Kiki il m'a tué, il m'a dit il y a Reckless en stream mais Vincinus a la chance que je fais sur ton stream. En même temps, un ADC est éclaté pour un autre. Ah, je pense quand même que Reckless il a 0,5 fois ton niveau. Ça veut dire que je suis deux fois plus fort que Reckless. Faire mon ouvrifière en bêto chef. Je pense qu'on devrait réécouter cette phrase sur le gameplay de ta Jinx là pour. Bah, il a dit, t'as dit il a 0,5 fois mon level, donc techniquement ça veut dire que je suis deux fois plus fort que lui. Non, mais juste pour l'entertainment, on devrait réécouter cette phrase sur le gameplay de Jinx. En boucle. Pendant les 20 minutes. Ça me rappelle les shorts chez votre tante. Je pense que t'en as vu passer des. Des trucs comme ça où pendant quand il y a eu la vidéo avec les imposteurs de Squeezie avec Eric et Ramsey, où tu voyais toutes les trahisons qui ont été faites. Trahison. Disgrâce. Attends, j'aime dire qu'il n'y a plus aucun dressant dans la zone là. Esprit du mal est inscrit sur sa face. Trou du fion. Un granivole. Cagé clair, bâtard. Oh. Attends, freestyle, on t'arrête plus. Hein. Je suis en freestyle, tu ne m'arrêteras pas. Bon, moi, je vais aller pisser après ce combat. Pour aller pisser, aller pisser. C'est voyager vers l'avenir. Aller pisser. Allez pisser. Et on le voit, il se balade en slip. Non mais... Vous trouvez pas qu'il a de l'allure le chat? Ah c'est vrai, je suis tout seul sur le live. Hello darkness, my old friend.
I have to come with you again. Doody 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 dooda. Doody. Ce n'est qu'un au revoir d'Ardarnian. Oh, il a pas mou... il est pas mouru, Lan. Il est pas mouru. Tanino, suivant la drogue, il fait temps plein. Il crie Ara. Et la déflagration qui touche, je crois que Air Bizarre ne t'ancra pas. C'est la fin de ce let's play, je vais crever sa race. Cinq Chanel me donne le go, Magadji c'est Petrushka. Ah non, c'est one shot avec Bélier, il est crevé. J'ai 3 HP. Mon Air Bizarre il a sauvé tout le fight. Il s'est frappé dans sa chute, mais il a planté. Ah putain. T'as le manugel, c'est plus que c'était, hein. Du coup, tu fais quoi là? T'es parti à la suite? Non, je viens de terminer, je suis parti me soigner. Ah bah, je crois que je viens de te voir. Tentacule. Loubar casseur de cul, c'est toi? Non. C'est pas vrai, tu mens. J'ai un alibi. J'étais au cinéma. Alibi.com. On sait. Hop là. Hop. On va traverser. Oh, des topiqueurs. Bah, c'est une... Alors, lis en haut à gauche, c'est ce qui est écrit, mon rêve, s'il te plaît. Cave topiqueur. Voilà. Alors, moi, j'ai de la flemme de me faire gros tous les deux pas. Donc, petit repousse, on traverse la cave tout de suite. De toute façon, c'est même pas par là qu'il faut aller. Tu veux aller par où sinon? Quand je vois contre. Topiqueur, c'est quel type? C'est sol? C'est claqué. C'est au sol? Non, c'est juste sol. Je cherche un bras. Tu veux l'échanger contre Monsieur Mille? Non, mais je peux te donner une jambe si tu veux. C'est pas un bras, t'as compris. Salut, tu te rappelles de moi? Tu parles au PNJ, toi? Ah, on va devoir attraper. On va devoir attraper quoi? Oh, c'est pour la CS Flash. On en a pas besoin ici. Ah, CS Flash, c'est utile en vrai. Après, moi je crois que je pourrais pas la use donc. Non! Attends, mais on a. Je suis à Jadiel là? Mais. Je sais pas où on doit aller. T'es sorti de la grotte aussi? Ouais. Pourquoi t'as dit non? Parce que le mec a parlé dans Flash. Il faut que tu captures 10 Pokémon pour avoir Flash. Moi j'en ai 9. Ah, mais en fait, t'es passé par où du coup? Ah, t'es là. T'es sûr que c'est par là qu'il faut aller? Bah là, on est à Argenta. Ah, par contre, on peut pas aller au musée donner le fossile. Comme ça comptera mon 10e Pokémon et je peux aller chercher de Flash. Je suis descendu, je sais pas si ça avait un intérêt quelconque. Il y a une bec pointu, anti-para. Et merde, c'est où la suite? T'as une idée? Non. On est stuck. Ah, à droite, y'a des dresseurs aussi. Oh, mais ils doivent avoir.
Ah mais il y avait pas une grotte en, au bout du chemin? Ah non mais j'ai commencé là tout à l'heure. J'ai fait un tour de map là gros. Tu sais que j'ai commencé ma game juste ici, à cet endroit là. Mais c'est pas par là qu'il faut aller? Ah non, je viens de là-bas. Non, je pense que je vais reprendre le chemin à l'envers, reprendre les coupes. Une coupe au bol. Après Carmin. Qu'est-ce qu'on devait aller jouer? Bon, moi, pendant que tu cherches, moi, je vais level up le Magicon. J'ai attrapé juste un peu Picker pour récupérer Flash. C'est déterminé par quoi? C'est le nombre de Pokémon dans ton PC ou genre ça prend tous les Pokémon que t'as attrapé? Le nombre de Pokémon que t'as capturé. Mais je pense que c'est le nombre de Pokémon différents que t'as capturé. Ah, des Pokémon différents Pas sûr, en fait, j'en sais rien. Oh, ça va, il a un PV. Il vaut 22 le top picker. Bon, moi si je le one shot, c'est plus typé. Si je le one shot pas, il est capturé. Attends quoi, il m'a volé mon objet? Je le récupère ou pas? Non, non, c'est un arabe, il te le rend pas. Ouais, niveau 19. Lucas. Oh, trio picker. Ok, oh, c'est bon, elle me l'a envoyé. Le trio picker. Oh, lui, je le tue, c'est de l'XP. Trio picker, c'est l'évolution de top picker. Bien vu, Sherlock. T'as trouvé ça tout seul. Oh, le petit chenapan, quoi. Vas-y, tu sais quoi. Je vais faire une attaque sol sur mon Osferalto. Oh, le 528 d'XP sur le trio picker, ça m'énerve. C'est marrant, mais bizarrement, je crois que je vais renoncer assez vite à faire combattre mon Magikarp contre le Chenipan. Parce que même si j'ai 8 niveaux d'avance, je me fais quand même péter la gueule. Donc, la Crisas. Oh, ça devient une bonne attaque quand même. De quoi? Alors. Je casse les couilles. Mais vous avez quoi vouloir faire des attaques sol sur mon Osferalto? Et les Pokémon sauvages, je vais tous vous filer une carte des types, hein. Tu sais qu'ils peuvent pas lancer autre chose que du sol. Bah, je crois que c'est vrai en plus. Bon allez, Aspico niveau 9, tu peux le faire Magikarp. Ah t'es tombé bas moi. Allez Magikarp, allez Magikarp, coup critique, ouais. J'ai capturé une Topicouze. Une Topicouze? Salut, tu te rappelles de moi? Merci pour ma CS Flash, mon ref. Bon, je vais retraverser la cave de la Topicouze. Et je vais chercher après la suite. Il a un gros confort. Après, s'il gagne la prochaine épreuve, il aura un gros kick immunité du coup. Technique. Technique. Mais tu possèdes la référence. J'ai hâte de le voir évoluer. T'imagines le mec, il cancel l'évolution de son Magikarp? Non! Ça m'est déjà arrivé. T'as avoir trop les nerfs dans ces cas-là. Ouais, je joue un peu avec les limites quand même avec Magikarp. J'avoue que j'ai cancel l'évolution, j'avais un super bonbon sur moi, j'ai niqué sa mère. J'ai mis super bonbon. Je fais pas le kill là, tout hasard. Je sais pas, vas-y, je le tente. Comme ça, tu vas bien devoir aller te soigner parce que t'as pas fait le kill. Oh, t'as tant qu'à un HP. C'est 3 HP. Let's go, Magikarp, il a un V4. C'est pas une phrase qu'on entend souvent, ça. Le 1v4 de Magikarp. Il a clutch là, du coup. Il a mis un crit à un moment donné et lui, il a fait un swap à un moment donné, j'ai pas compris.
Bon, je suis clarif sur ta merde. Un piaf qui a un bec. Oh non, un miaou. Miaou. Miaou, 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 ah, miaou. La miaou au milieu du mois de septembre. C'est que ça vient d'où ça? Ça vient de mon grand-père. Pourquoi ça m'étonne pas? Allez, allez, on peut le faire, les gars. Bon, là, il y a Monsieur Ronflex qui dort sur le trottoir. Ah, mais c'est là la suite. C'est au Ronflex, non? Non, c'est pas tout de suite le Ronflex. C'est pas tout de suite le Ronflex. Et à un moment donné, il faudra bien lui... Si tu attrapes 30 Pokémon différents, je suis censé te donner le cherche-objet. 30 Pokémon différents? En fait, dans ce jeu, ils veulent vraiment qu'on s'emmerde, en fait. À l'époque, on te forçait, en fait, au début du jeu, à capturer tous les Pokémon pour que tu comprennes que ce soit ce qu'il faille faire. Ah ouais, en soi, c'est le tout premier jeu, donc c'est logique, tu vois. Ça m'est quasiment jamais arrivé de capturer tous les Pokémon. Hein. Ça m'est déjà arrivé de voir des vidéos de mecs qui expliquent comment avoir tous les Pokémon différents et... Oh, t'as des setups de taré et ça coûte cher. Hein. Oh, j'ai juste une carte, on peut pas avoir une carte quelque part. Les avis dans la forêt de Jade? Ah bah c'est marrant, mais ça m'a pas marqué positivement cette rencontre. Y a bien un endroit où on doit avancer quand même. Donc c'est pas à Carmin-sur-Mer. Donc c'est papa. Donc c'est. Ah c'est vrai, maintenant il a cruel mon Nosferapti. C'est-à-dire qu'il peut enfin jouer. Yeah, il a one-shot Chenipan. On peut pas aller au-dessus par hasard de Karma sur ta mère. Mais c'est où la suite, frère? On sait rien du tout, mon ref. Il m'a appelé Ben, je m'appelle pas Ben. Il m'a dit Ben, tu m'as encore battu. Je m'appelle pas Ben. Ah bah tiens, le v'là le fameux Ben. Je ne sais pas où se trouve la suite. Là, je suis d'Azazuria. Pas de stylo des fois ici. Et à droite de Azazuria, il y a quoi? Azazuria. Azazuria. Là-bas, il y a 3 058 983 Pokémon et dresseurs surtout. Hop. Là, c'est Léo. C'est qui Léo à part le mari de Piper? T'as peut-être pas la ref. Moi, je pense que c'est une crème ref de toute façon, donc je veux pas l'avoir. Ah, moi, j'aime bien, écoute. Bah frérot, je sais pas où faut aller. Peut-être faut attraper des Pokémon, on a peut-être pas le choix. Oh, nique ça, merci pour attraper 75 Pokémon. Il faut pas attraper 75 Pokémon, seulement 30. Attends, y'a vraiment un Rattata niveau 5, non mais... Quoi cette mauvaise blague? En contre, même mon Magikarp à côté, il a l'air d'être bon. Y'a pas de dresseur? Oh putain, ça avance pas, frère. Bon, alors on a fait l'océan. On a battu la reine, nanana, cache tout piqueur. La reine des abeilles.
On dirait la reine des abeilles, il l'a dans Pokémon Platine, en quelque sorte. Alors, faut aller à Azuria, apparemment. À Azuria, on passe par la maison saccagée, et on ressort par derrière. C'est justement ce que je viens de faire, non? Ouais. Ah bah ouais, c'est ça. Bah j'ai trouvé la suite. C'est où la suite? Où tu retournes à Azuria. Azuria, c'est là où on affronte Pierre ou Ondine? C'est la ville où il y a... où il y avait le pont avec les dresseurs sur le pont qu'il fallait affronter, que t'affrontais un mec de la Team Rocket et tout. Tu voulais être recruté et tout. C'est au-dessus de la pension. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça? Si, c'est ça. Ouais, c'est au-dessus de la pension. C'est la ville au-dessus de la pension. Et là, moi, je suis où en fait là? Là, bah, je suis à Argenta. Comment je fais pour me retrouver à Argenta, moi? Bah, faut... Sinon, tu reprends la cave Topiqueur. C'est de l'autre côté de la cave Topiqueur. Depuis Carmin-sur-Mer. Non, je crois pas que ce soit par là. Là, tu vas faire tout le tour. Ah ouais? Ou alors, c'est après la grotte, Azuria? Je sais plus. Mais tu vas te taper toute la grotte si tu fais ça. Bah non, parce que j'étais à Carmin-sur-Mer avant, mais quand est-ce que moi, je suis descendu? Moi, je suis pas passé par la grotte, personnellement. Je suis passé par la cave Topiqueur pour arriver à Azuria. Pourquoi je suis dans la forêt de Jade? Ah, c'est pas par là que je suis passé, moi. J'ai tenté un truc, c'est pas... Je comprends pas comment fonctionne leur passage secret. Ouais, c'est toujours quand on est pressé qu'on se fait jamais, qu'on se fait toujours aggro. Ah, oh, je vais avoir une grotte à traverser où il faut flash, c'est ça? Ah, oh, j'ai pas récupéré la flash, moi. Ah, tu vas en avoir besoin. Je suis même pas sûr d'avoir assez de Pokémon. Mais ouais. Non, mais ta grand-mère! T'es trempette, bien joué, moi. Ah, mais c'est à cause du double clic de ma souris. Bon, bah, c'est parti pour revenir en arrière. Et je comprends pas comment j'ai fait pour atterrir dans la forêt de Jade. La forêt de Jade, c'est un truc que t'as au tout début, ça. Il fallait pas passer par là. Là, faut que tu passes là. Bah, en fait, je viens de là, mais... Oui, mais tu dois remonter la... La... Ah, mais je pensais... Que... Ouais, c'est SPNJ là qui te donne flash, et il faut que tu demandes... C'est ce PNJ là qui donne flash? Le PNJ d'avant, le mec du laboratoire. Là. Ici? Attends, vois tous des mecs du laboratoire, fils de pute. J'avoue que j'avance un peu là et j'ai vu qu'il y avait du monde de l'autre côté, je vais aller dire bon. Enfin, je vais dire bonjour, je vais aller voir pour jouer de l'autre côté aussi après. C'est où ça? À mon avis, ils m'attendent pour faire du 5-tag Byron.
Ah mais d'accord, on... c'est ici, bon ouais, je vois juste qu'on voit tout simplement. Non mais... Tu fais quoi? Passe par la cave Topiqueur, tu dois être de l'autre côté de la cave. Ah le PNJ il est de l'autre côté de la cave? Ah non, bah non, tu l'as vu le PNJ. Mais non justement, je l'ai pas vu, je le cherche. Mais c'est... Oh là 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 là, il est où En dessous là, faut faire coupe. Dans le grand truc là, c'est un PNJ de laboratoire là. Oh, 10 Pokémon différents. Merci. Sur qui tu la mets toi? Je l'ai pas encore mis pour l'instant, j'attends de savoir si j'en ai besoin. Et je pense que je vais capturer un esclave, parce que nique sa mère. J'ai envie d'apprendre cette attaque de merde. Un esclave. Avec les Pokémon électriques, ils peuvent la prendre, Flash? Non. Ça n'a rien à voir avec un type. Oh, le Topiqueur niveau 17. Hein? Non! Fils de pute! Il attrape et tu t'es fait frappe. J'ai pété mon crâne! Mais quel connard! Ah, ça m'a mis très très bien. J'ai même pas pensé à te dire, mais j'y ai pensé tout à l'heure. Je dis, à un moment, il va avoir Topiqueur devant, il va se faire trapper. Enfin, il va avoir Magikarp devant, il va se faire trapper par un Topiqueur. Bah, vas-y, tu fais attention, vaut mieux pas se balader avec Topiqueur en avec Magikarp en premier quand tu fais la cape Topiqueur. Rien à foutre. Tu vas tout. Tu vas. T'es vraiment en train de spam les potions pour passer. NON MAIS PUTAIN! Il a fait tremper. Mais ouais, mais double clic de merde! Oh bah vas-y, c'est bon, bute-moi, j'en ai rien à foutre. C'est bon, bute-moi, suis sale merde, j'en ai rien à foutre, connard. Putain, mais Topiqueur, genre déjà le machin il ressemble à un putain de phallus. Personne ne t'aime, Topiqueur, t'es moche. Et inutile. Et inutilement moche. C'est trop énervant. J'aimerais bien que t'arrives au moins là où j'en suis pour te dire que je fais toute la route et qu'après je m'arrête là. Mais t'es toujours pas arrivé où j'en suis. En plus ils ont pas tous fait parce que d'habitude, j'ai... enfin tout à l'heure j'ai dodge tout le monde. Putain. Le piège il s'active quand tu veux swap ou quand tu... Enfin à quelles conditions s'active le piège? Non, en fait il y en a qui ont des... qui ont comme nature trap et il y en a qui ont pas trap comme nature set. Ouais, donc en gros... Ah tiens, comme par hasard, le seul où il y a eu trap, c'est le seul que j'ai face avec Magikarp. Ah, nique bien ta mère, Pokémémo. Il y a plein de combats à faire là où je suis en plus. T'es en train de tout se faire? Tu remontes au-dessus de Karma sur mer là? Après, et t'arriveras au bon endroit. Enfin, tu dois reprendre le pont même. Enfin, pas le pont, mais le tunnel. Genre là à droite. Ça, c'est pas le tunnel. Tu pourras pas passer. Ça sert à quoi de nous emmerder là? Mais c'est pour nous bloquer parce qu'on pourra accéder là après. Et surtout qu'en plus, on peut aller d'un côté et de l'autre quoi. Donc, je vois pas l'intérêt. Oui, parce que tu pourras passer par là après, donc... L'intérêt c'est de pouvoir faire... à la fin, en fait, t'es censé pouvoir faire tout le jeu sans avoir besoin de faire vol. Alors si t'as la flemme, tu fais vol. Mais tu peux faire tout le jeu sans utiliser vol. Moi d'ailleurs, j'ai pas envie d'apprendre vol, donc j'apprendrai pas vol. Moi j'apprendrai vol, parce que j'aurais beaucoup de... Alors c'est par où ensuite? Elle est où la maison pétée? C'est au-dessus. C'est là la maison pétée. Ouais.
Par où il faut aller ensuite? Et là à droite tu peux faire coupe. Et c'est là qu'on est jamais allé. Donc moi je suis sur cette route là, il y a plein de combats à faire. Je vois, je vois. Dès que j'ai fini la route, je stoppe. Moi je cédais le passage. T'as le gap qu'il y a entre mes premiers Pokémon et les Pokémon que j'affronte. Ah ça va, j'ai full rattrapé quasiment que Nosferatu. Quand j'ai commencé tout à l'heure, il était niveau 20 et là il est niveau 27. Putain, t'as une avance de taré sur moi du coup. En même temps, c'était pas facile à expérimenter Magikarp. Pokémon après. Ouais. J'ai pas mon 5 et mon 6 encore. Et quand je vais devoir les XP, je vais pas m'amuser à les XP. C'est pas les plus simples XP. À un moment, j'aurais besoin de toi parce que pour faire évoluer mon. Pour faire un échange. Ah oui, ouais. Pour avoir ectoplasma. Pour avoir ectoplasma. Si, mais imagine à un moment donné, on est des gros déglingos et on se dit, vas-y, on fait que des Pokémon normaux. La pire idée. Et ben, tu tombes sur l'arène spectre et t'es bloqué. Voilà. Bloqué. L'arène combat, tu te fais maraver. L'arène acier, bah bonne chance pour passer. C'était Bélier. Je sais pas quel niveau on est bloqué, mais je pense que je vais bientôt être over 4 moi. C'est 32, je dirais. Ouais, bah je commence à être 31 sur certains Poké. Match choc. Ça fait quoi escalade? Bah ça te craint. Allez, prends ça, Machoc. Magikarp monte au niveau 20. Ça y est. Eh, vas-y, appuie sur B pendant l'évolution de Magikarp, ça fait un truc pour qu'il devienne shiny. C'est le mec trop de con. Ça marche avec un gosse des 8 ans, mais pas avec moi. En fait, ouais, en fait il faut avoir de la chance parce que t'as une chance sur deux. Tu me l'aurais déjà dit avant, c'était vrai. C'est là où tu peux avoir Elector normalement dans le vrai jeu ici. Bon, bah Elector, c'est le vol électrique. Ouais, je suis arrivé juste devant une grotte là. Je finis mon dernier combat, je vais me heal. Parce qu'il y a un centre Pokémon à la fin de ça. Et après, je Vibra stop. Quoi Vibra Feur. Qu'est-ce que c'est drôle? Onyx ta mère. La roche, c'est fort contre la flotte ou l'inverse? Je m'en rappelle plus. Ouh, la flotte, à ton avis. L'eau c'est fort sur la roche. Ça érode les rochers, c'est ça? J'ai morsure, j'ai trempette et j'ai charge. Et trempette, je pense que c'est la meilleure attaque que t'es. Hop! Finito pipo! Ah ouais, un Pokémon eau ça fait du bien. Hein. T'as, genre quand tu ça passes de. Tronchon. De quoi? Ça te rafraîchit quand t'as tronchon. C'est marrant ça. Putain, maintenant il y en a encore un qui il veut m'offrir un truc si j'ai 20 Pokémon de capturer. Bah non, j'ai pas 20, je vais pas capturer 20 Pokémon. Cuir tordu. C'est quoi cette cuir tordu? Juste devant la grotte. Voilà. Putain, il y en a 20 000 des Pokémon ici. Des dresseurs. Des dresseurs Pokémon. Je te souhaite bon courage pour la fin.
Cimer. Oh, un Caninos. Puis on verra plus tard, peut-être à tout à l'heure ou peut-être pas. Bah, essaye de savoir assez vite pour savoir si moi je sors ce soir. Non, mais sors. Okay. Sors et tu verras bien. Je vais chercher. Il faut que pas que j'oublie la clé si je sors. Ouais, exactement. Bye, bisous. Zoubi. Oh, le gros whoop. Oh, qu'est-ce que c'est trop bien d'avoir l'aviateur là. Oh là là, qu'est-ce qu'on est bien. Oh, mais oui, mais envoie-moi plus de Pokémon feu, je t'en prie. Notre attaque peut-être? Oui. Ça reste toujours mieux que Trempette. Trempette, c'est vraiment éclataxe. Cascade. Frénésie. Trop situationnel. Oh. Un Dardarnian. C'est stylé, Dardarnian. Les dégâts! Les dégâts du bordel! On prend les mêmes, on recommence. Cascade! Je pourrais avoir surf et cascade. Ça, j'ai déjà fait, ces deux là j'ai déjà fait. Là faut passer. Hein? Laisse-moi tranquille, j'ai pas le temps de niaiser avec toi. Des Pokémon insectes. Face à mes Pokémon vol, ils pourront rien faire. Limitos. Qu'est-ce que c'est moche? Ah, ça évolue en Mimigale, j'imagine. La cascade. One shot. Oh, les stats de taré qu'il a, mon Léviathan. Aspico. Oh, c'est incroyable. Hein. Espèce de petit chenipan, va. Eh bah ouais, mon ref, tes Pokémon se sont fait péter le cul. À l'avant-ville. Sabelette. Vibra quoi? Juste au cas où, hein.
Qu'est-ce que c'est agréable de one tap tout ce qui bouge. L'imagma. Il y a un truc en vrai. C'est abominable. L'attaque. Racaillou. Oh mais oui, mais continue à m'envoyer de la roche, mon ref. Continue. Continue à m'envoyer de la roche. Je t'en supplie, continue. Et ils me mettent trop bien. Ah, la fermeté. Qu'est-ce que c'est relou. Ce soir, t'es relou. Ah. Si la fermeté, je suis mort. Hein. Oh non. Let's go. Let's go. Ça fait zizir. Miaous. Il est tout jaune. Niveau 23, il y a peu de chances que je le one tap. Dans le doute, je vais swapper avec le Roukou. Vive l'attaque. Bien sûr que tu ne mérites que mon dédain. N'a pas surf encore, mais quand on aura surf. Si je peux me la taper celle-là. J'ai un arrêt de Pokémon et faire tout le temps. C'est peut-être parce que t'es nul. Oh Pikachu. Alors. Alors on va certainement pas envoyer l'éviateur du coup, puisqu'il va se prendre un x4 électrique dans la gueule. Donc on va changer, on va prendre le Reptincelle. Pour l'instant il se fait pas encore péter par l'électrique. T'envoies une étincelle sur Reptincelle, t'es drôle toi. Lance, flamme. Putain il est rapide son Pikachu de merde. Attends comment avec... Pikachu il a 10 niveaux de retard, il est plus rapide que mon Reptincelle. Milofey. Bon, parfait. Et ben voilà, nickel. On arrive au bout de la route, on a bien farmé les levels pour le Léviator qui est level 23 maintenant. Bon du coup moi les gars je vous laisse, ciao ciao, gros bisous.